Bonjour à tous, nous sommes à Zaouïa le 20 août 2011 dans les combats entre loyalistes pro-Kadhafi et les éléments de la révolution libyenne soutenus par les Britanniques, les Français et bien entendu les Américains. Quelques kilomètres de la ville de Zaouïa, les ruines de Sabrata, une merveille archéologique. Cette ville fut construite par les Carthaginois, puis par les Romains. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. J'étais retourné à Sabrata quelques mois auparavant pour y découvrir avec horreur que des militaires occupaient les ruines. Pourquoi avec horreur? Parce que s'il y avait des combats dans Sabrata, toutes les ruines seraient anéanties. Sabrata fit partie de l'éphémère royaume de Numidie, avec Leptis et Oea, avant d'être conquise par les Romains et incorporée dans la province romaine d'Afrique. Elle fut ensuite reconstruite au 2e et 3e siècle après Jésus-Christ. Deux gardes armés m'emmènent dans ces ruines, puis je veux aller au célèbre théâtre de Sabrata, la perle de cette ville, qui pouvait accueillir jusqu'à 5000 spectateurs. Des 4x4 armés de lanceurs de missiles multiples Katyusha, les célèbres orgues de Staline sont à l'entrée de celui-ci, ici. La première chose qui me frappe, ce sont ces grilles qui entourent ces monuments, qui sont abattues. La grille d'entrée est complètement écrasée. Cela ne peut être qu'un blindé qui a mis à bas ses protections. Puis, je m'aperçois que ce ne sont pas seulement les grilles d'entrée qui ont été détruites, mais une bonne partie de l'enclos. De toutes parts, maintenant, peuvent rentrer chars blindés de toutes sortes, lanceurs de missiles et fantassins. C'était en contradiction même avec toutes les lois de la guerre. L'UNESCO a une convention, l'une des plus vieilles organisations, qui est la convention de La Haye. Une convention qui protège le patrimoine, les lieux de patrimoine en cas de conflit armé. Et cette convention avec ces deux protocoles, spécifie bien que pendant les périodes de conflit, les belligérants, les parties en conflit ne doivent pas s'attaquer aux biens culturels, pour aucune raison, culturels et religieux, pour disons aucune raison. Dix ans avant, en 2001, j'étais parti en Libye et j'avais admiré ces ruines. J'y avais fait un film. Sabrata était une escale phénicienne, un comptoir punique vers le 5e siècle avant Jésus-Christ. Dès son occupation romaine, en 46 avant Jésus-Christ, Sabrata commence à se transformer. Les 1er et 2e siècles marquent le grand essor de Sabrata. L'attention des empereurs Flavius et Antoine et de leur descendance favorise la modernisation de la ville, qui avait été en partie détruite lors d'un tremblement de terre en 65 après Jésus-Christ. Les fouilles de Sabrata
ont mis au jour un nombre important d'habitations privées qui permettent d'appréhender la vie domestique de ses citoyens. Le théâtre, conçu sous l'empereur Commode, est dans un état de conservation absolument extraordinaire. Datant de l'époque sévérienne, il constitue le point d'orgue du nouveau quartier de la ville. Les statues des divinités, qui interviennent traditionnellement dans la tragédie, étaient disposées entre les colonnes. Les loges des acteurs et les coulisses se trouvaient derrière le fronton. Les gradins de l'auditorium sont divisés en trois zones par deux chemins ambulatoires et pouvaient recevoir environ 5000 spectateurs. En 2020, l'État islamique a réoccupé Sabratha. L'UNESCO a déclaré les sites libyens patrimoine de l'humanité en péril de mort. Il nous faut absolument nous mobiliser pour sauver ces merveilles antiques, partout dans le monde. Bon, eh bien écoutez, j'espère que vous avez aimé ce récit. À bientôt et n'oubliez pas le pouce et abonnez-vous. Au revoir.